On vient de vendre une 660SJ, qui veut dire 66 pieds ici. S pour straight boom, parce que c'est un straight boom. Et J pour le jib de moi qui est ici. Donc, je vais aller vous montrer, par exemple, JLG ont commencé à faire des straight boom comme Genie. Donc, ils ont sûrement acheté le brevet pour ça. Donc, Genie, ça fait une couple d'années qu'ils sont rendus avec ce principe-là. JLG, mais ça fait pas tellement longtemps. Ça fait moins longtemps qu'eux. Donc, ça permet d'avoir une machine avec une meilleure capacité de levage. Elle, c'est 750 livres au lieu de 500. Et que ça fait une machine qui est moins longue. Donc, le mât que vous voyez ici, le grand mât, est moins long à cause du fameux petit mât caché qui est là. Ça y permet, en plus, quand ça lève, ça permet le point d'attache du mât à monter. Donc, quand on a des obstacles ici en avant, un camion, un arbre, un cabanon, mais au moins la base du mât, elle monte de plusieurs pieds. Ça dégage énormément la base. Donc, c'est vraiment un gros avantage. Il y a moins d'avantages d'acheter un articulé maintenant avec les nouvelles machines qui ont ce genre de mât-là. Parce que c'est un straight boom, mais il est quand même articulé. Puis l'articulation est très intelligente. Puis en plus, elle a un jib, donc ça permet une autre articulation. Panier de 8 pieds, ça c'est standard aussi. Les nouveaux câbles aussi. Donc c'est des nouveaux câbles en fibre de verre, parce que eux autres, ils étaient en fibre au début, il y a plusieurs années. Ils ont tombé en métal, c'est pas très très beau. On échappait à un outil, ça faisait des bosses. Comme vous voyez à cette heure, ils ont renforcé de fibre. Il y a quand même un frame à l'intérieur.